tu veux payer tes cartes PSN et Xbox Live moins cher, va dans la description de la vidéo et clique sur le lien Press Start. C'est un site sécurisé à tarif réduit qui te permettra d'avoir des avantages sur toutes ces cartes et également plusieurs jeux vidéo. Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour la team future avec le fameux Trunks ou MF, les amis. C'est un bordel le truc. Le Trunks MF, les gars, c'est magnifique. Même en termes d'animation, vous allez voir ça. On va faire l'event Zamasu. J'avais rec cette partie comme ça. Ça va me permettre de commenter en même temps et vous dire vraiment ce que je ressens quand je joue à Dokkan Battle dernièrement. C'est pour ça que je suis revenu sur le jeu. Le frérot Yekaze, le frérot Susucre et tout m'ont donné cette envie. Et pour le coup, franchement, je kiffe. Vous allez le voir, on va sur l'event Zamasu. Donc forcément, perso de soutien. Eh bien, je reprends un deuxième Trunks MF. Parce que bah vous voyez, hein, 130% sur la catégorie Saga Future. Mais également, il booste la catégorie Super. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voici ma team. Trunks en tech avec le Trunks LR en endurance, en couleur jaune. Le Gogeta puissant, donc il est en catégorie super, donc il est boosté par le Trunks, Végéto, Rosé, et également la carte LR de Zamasu et Rosé. Ensemble, plus le soutien, enfin deuxième soutien de Trunks MF. Voilà, les objets, j'en aurai pas besoin, vous allez le voir, ça passe crème avec cette team-là. Donc voilà, Zamasu, j'ai voulu faire cet event, comme vous le savez. Je n'ai pas eu la chance de choper le Zamasu sur le portail. Bon, peut-être prochainement, on verra. On va économiser les Dragon Stones pour ceci. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu les 77 médailles. L'événement, les doigts dans le nez, les gars. Ça passe crème. Mais vraiment, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer à quel point le jeu Dokkan Battle, au niveau des animations, s'est amélioré d'année en année. Donc voilà, déjà on commence avec Trunks ou MF, boum, voilà. Les liens de qui sont énormissimes, hein, vous pouvez le voir. Ça part direct en attaque, mais regardez cette animation. Déjà, la première de base de Trunks MF, elle a son charme, tu vois. C'est pas la meilleure, mais elle a son charme. Après, vous allez voir que plus on va aller dans le combat, plus ça va faire mal. Et regardez, 4 257 000 l'attaque. Je dis ça, je ne dis rien. L'attaque, elle a fait mal. Elle a fait mal. Allez, c'est reparti. Donc, le deuxième Trunks, du coup, va pouvoir cogner également. Les liens de ki sont très bien. Le Gogeta, les gars, comme il encaisse très mal, je le laisse tout à la fin. Comme ça, moi, je m'en sers en tant que cogneur. Et sans plus, ça cogne minimum à 500 000 à chaque fois, 500 000 points. Donc pour moi, ça me va très bien. Voilà, on recommence cette animation. Regardez, je sais pas, j'aime bien le ki, tout ça, ça me fait vraiment penser à l'animé. À l'animé. Et puis alors là, attention, le rosé, lui, quand il cogne, les gars, c'est quelque chose aussi. Hein. Donc là, vous voyez l'attaque LR des deux, de Zamasu et Rosé. Voilà, 545 000, ça fait mal. Et le Gogeta qui va taper, si je me trompe pas, je crois à 500 000 également. Voilà, 509 000, vous voyez. Et là, voilà, là ça commence à devenir intéressant. Il se transforme en Super Saiyajin, le Trunks. Et ça, l'animation du coup va changer. Vous avez vu la première animation avec son épée, etc. Et vous allez voir que la deuxième, en Super Saiyajin, elle change. Et pour le coup, oh là là, c'est un kiff. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, pour tous ceux qui n'avaient toujours pas pu tester ce fameux Trunks, franchement, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc voilà, le Végéto, tout ça, 1 157 000. Là, voilà, je suis en train de bousiller, voilà, la nouvelle animation. Je suis en train de bousiller le Rosé, le canon Garlic de son père, les gars, de Végéta. 1 912 000 dans la face, presque 2 millions l'attaque. Ce n'est pas tout. Il a également une troisième animation. On va la voir juste après. Donc là, voilà la fusion de Zamasu qui a eu lieu. Voilà, incroyable et tout. Il est là, ouais. Bon, vous allez voir qu'au final, il ne fera rien du tout. Donc là, le deuxième Trunks en soutien qui se transforme également. On a, pour le coup, Rosé, Trunksu et la carte LR. Donc voilà, j'ai préféré mettre le Trunks en premier directement pour avoir vraiment le gros boost entre Rosé et Zamasu et Rosé en carte LR.
pour le coup, vous allez voir que ça va faire très très mal. Parce que bon, il a quand même pas mal de barres de vie, notre ami Zamasu. Donc voilà, l'attaque, hop, boum, le canon Garrick, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. 413 000. Là, du coup, ça tape beaucoup moins fort parce que forcément, Zamasu a fusionné. Mais regardez les attaques, je trouve que, franchement, elles ont la classe. On est sur un jeu mobile, les gars. Et ça a la classe. Franchement, ça a la classe. Regardez le rosé. Regardez comment il va faire mal, là, le rosé. Regardez, 1 million 200. Et attaque supplémentaire. Vas-y, qu'on te rebalance encore 1 million dans la tronche. Là, c'est intéressant. Tout à l'heure, il frappait beaucoup moins fort suite à cause du type. Mais là, pour le coup, il a fait mal. Là, il a fait mal. Et puis là, voilà, bah, la carte LR hein, de Zamasu et de rosé, voilà, qui vient finir ce Zamasu fusionné. En claquant des doigts, les gars. Il revient avec son fameux bras forme Akira, pour tous ceux qui connaissent, voilà, le manga Akira. Et là, pour le coup, il est assez chaud. Mais, alors regardez toutes les barres de vie, hein. Mais ça va passer crème, ça va passer crème. Vous allez voir, les gars, ça va passer crème. Et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant ce qui vient de se passer pour le Trunks. Vous allez le voir, on va même mettre le son. Écoutez. Ekrizo, Nina, ah, franchement les gars, c'est pas la classe franchement de voir ces petites animations. Et vous allez voir que l'attaque, un bijou, l'attaque est un bijou. Bon, je crois que sur cette partie-là, elle va pas cogner si fort que ça, l'attaque. Mais regardez, vous allez voir, c'est, regardez. Comme dans l'animé. C'est magnifique les gars. Franchement, c'est magnifique. Mais même l'attaque de Zamasu, regardez, les effets de fumée, l'œil et tout, on voit qu'il s'énerve. Et moi, en plus de ça, j'ai le Végéto LR qui va arriver. Voilà, comme dans l'animé, pareil, boum, la patate et tout. Oh, c'est magnifique, les gars. C'est pour ça que je rejoue à Dokkan Battle. C'est un jeu mobile. Et un jeu mobile, on a cette qualité, quoi. C'est incroyable. Franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé par les améliorations qu'ont pu faire Dragon Ball Z Dokkan Battle. Parce que pour le coup, je l'avais délaissé et ça m'a vraiment fait revenir. Regardez toutes les barres de vie. On se remet encore après une fois le son. Donc là, le Trunks LR va faire mal. On se remet encore un peu le son, les gars. Vous voyez, il demande l'énergie comme dans le manga, comme dans l'animé. C'est la lumière de l'énergie de tous les habitants de cette planète. Il saute, voilà. Ça fait un peu style Game Kidama, hein. Ikizo, Nina. Franchement. Eh ouais, franchement, c'est énorme. C'est énorme, les gars. Et regardez, hein. Je vais taper avec le Trunks LR. Endurance. Regardez toutes les barres de vie, hein. Vous voyez, hein. Regardez bien. Le Trunks LR, il fait mal. Fla ! Fendu en deux. Pam, 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 pam. Poum. Hop, ça dégage. Ça dégage, voilà. Merci, au revoir. Comment vous dire que il m'a fait plaisir. Le Trunks LR, c'est un bijou. Tu le mets avec le Trunks MF, le Trunks Tech, et pour le coup, moi, ce que je veux faire, les gars, je vous le dis, ce que je vais vouloir faire, c'est de changer le Gogeta que j'ai, puissance, le retirer pour mettre en fait, un perso saga futur en plus, le Trunks agit en LR free to play. Voilà, je suis en train de farmer les médailles, j'ai bientôt les 777 médailles, donc il viendra prendre la place du Gogeta. Voilà, c'est clairement mon objectif pour faire le petit changement, malgré que Gogeta est quand même un cogneur, il a tout de même sa place là-dedans. Pour le coup, je trouve que voilà, le Trunks, ça ferait une petite team de Trunks en fait. Trunks Agi, Trunks Tech, Trunks Endurance LR, voilà. On aurait une team Trunks et franchement, cette team, elle fait vraiment très, 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 très mal. La team future, c'est un bordel, les gars. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous kifferez cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo Dragon Ball ou bien FIFA ou bien PES. Bref, peu importe. Sur ce, les amis, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao !
Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.